monté par le créneau. Oui, ça devait être le créneau de 47 et je crois que c'est ça à droite. Oh, peut-être à 47 ou à 37. Celui... Oui, parce que c'est difficile de sortir là. C'est quoi ça? Alors ça, je suis incapable de dire, peut-être un petit bit de camouflage. Probablement, ça c'est rare que je vois ça. Oui, j'ai vu ça. Pour l'eau, en fait. Pas fait le camouflage, c'est pas d'eau. Mais ouais. Il vaut mieux pas tomber là-dedans. Ouais, hein. Ouais, voilà, c'est tard, tu vois, quand tu te penses. Je sais pas trop, le phare. Ah, je sais que c'est fermé. Ah, c'est ouvert. Et c'est fermé à l'intérieur. Ah, oui, la porte qui est au fond est fermée. Oui. Ah, ok. Ouais, ah, 1932, là, je vois la date. Ça aussi, oui. Enfin, c'est une, je crois que c'est une casemate corps double. Ah, si tu reconnais un peu le camouflage, je crois. Oui, c'est pas mal. Hein. Là, on le voit encore. Hein. Donc, là, le mec a. Il est accroché, oui. Ouais. C'est de l'aubépine. Et là, ça a été bouché. Donc, c'est un créneau de 47, tu serais rentré par là normalement. Mais il est fermé. Oui, c'est complètement bouché. On dirait qu'il y a un soudage. Hein, ouais, c'est un petit soudage. C'est un peu. Ouais, ça... soudé, il a pris cher celui-ci. Hein. Le mec a voté par l'autre côté, puis ils étaient encore affinés ici. Hein. C'est clair. Hein. Au bout de quelques jours seulement qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait aucune réaction. Puis c'est là qu'ils ont vu. Il n'y avait plus personne dedans. Le mec était parti. Ouais. Bah, en tirant sur celui-ci, ils n'ont pas tiré sur un autre. Hein. Ils ont réussi à aller jusqu'au modèle d'air, là ils ont réussi à remonter jusqu'à l'ouvrage et puis ils ont été. Et là ils ont eu un comité d'accueil, ouais. Bon. Nous voilà à présent dans notre deuxième exploration d'un ouvrage qui a bien souffert. Voilà, on va descendre doucement parce que ça glisse. Qu'est-ce qu'il y a, Eric, qui n'est pas possible? Si je ne mets pas les piles dedans, ça va. Oh, mince. On retenait un petit peu. Oui, il y a la ventilation là en haut. Oui, qui passait par là. Putain, le plafond, il s'est soulevé, quoi. Et une, je ne vous ai même pas imaginé la puissance. Ouais. Et là, tu as des restes, enfin, ce qui reste une cloche, je pense GFM ou JM, je ne sais pas. Ah oui, un morceau, oui. Tu reconnais le mur qui est en cylindre, donc tu sais que c'est une cloche. Ah, oui. Puis là-bas, je pense que c'est la même chose. Elles ont été retirées. Oui, oui, d'accord. Bon, ça, c'est peut-être en les enlevant qu'ils ont fait tomber tout ça. Oh, je pense, oui. C'est pas l'explosion, mais... Un reste de... Impressionnant. De tuyaux de ventilation, il y a un mec qui s'est même bien éclaté dessus, au vu des impacts. Ouais, d'accord. Bah, là, moi, je pense que c'est une cloche aussi, on saurait pas voir. Et voilà, l'entrée du bloc, le bloc d'entrée de l'ouvrage du Mottenberg, qui était complètement défoncé, je crois que c'est l'explosion d'un dépôt de munitions pendant la guerre. Donc on rentre comme ça, et toute la façade a été défoncée. Ah ouais, c'est dingue. Il est complètement défoncé, quoi. Ouais, ça se demande comment ça tient encore, là. Les nœuds qui restent là. Tu sais, on a des petites alvéoles sur les côtés, là-bas. La terre, elle s'échappe. Ah oui, ça devait être là. Donc tu sais que les cloches allaient par et là. Le créneau devait être là, à mon avis. Oui, là, c'est un créneau pour FM. Là, t'as vu le toit, là, il repose sur plus rien. La chambre de tuile, je pense qu'elle devait être là, comme ça. Non, s'il tombe, faut pas être en dessous. Tu sais, ça repose sur plus rien, quoi. Ouais. Le problème, c'est qu'on va sortir par là, après, ici, ça s'échappe. Et quoi? Tu vas encore des ouais, non, mais c'est vous... le début, là. C'est plutôt pénible, là. Et t'as tes lacets qui sont oh, pas mis, putain, quoi. Putain, quoi. Eric. Oui, je sais. Eric. Je sais, mes lacets. Tu fais ça après. Mais tes lacets, c'est un minimum. Mais ils se défont tout le temps, ces lacets emmerdants. Oui, des nœuds. Moi, si je te fais un nœud, moi, ça se défera plus jamais. Ah, hein. Bah, je peux enlever un couteau, après. Je vais plus enlever la chaussure, alors. Je vais plus enlever la chaussure. Non, mais fais un nœud. Et là, c'est massacré. C'est un ouvrage qui a pris, hein, ici. Pour plier le... Il a bien mangé, mais ça, c'est l'explosion après. Je crois que c'est un dépôt de munitions que les Allemands avaient laissé ici. Après, je sais pas si c'est explosé. C'est le génie allemand qui a fait le truc. Ça, c'est possible. C'est l'explosion, ça. Oui. On essaie de coller tout ce qu'il y a. Regardez sur Wikipédia, Philippe. Je me rappelle plus de l'histoire du bloc. Je connais pas assez, je suis plutôt dans le. Effectivement, il y a des ossements ici. Ah oui, il y a plein de. La mère qui m'a laissé la peau. Ah ouais, tu fais le plongeon, non seulement tu tombes, mais tu t'empales, c'est encore mieux.
ça, deux en un. Il faut éviter le traîneau gros. C'est bourré de carcasse, comme putain, quoi. Regardez ça. Ouais, c'est encore possible, ça, ouais. Ah, mais c'est pas mieux. Il y a certaines qui sont mieux. Non, mais ça, c'est pas mieux. Il y a un an, ça. Regardez ça, ça on marche sur les ossements carrément, quoi. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Ah oui, ici ça devient bien. Enfin, c'est bourré d'ossements ici. Non mais c'est pas une vache compétente, c'est le bête qui fait. À mon avis, ouais. Voilà, ici on arrive à la galerie. Ah oui, la galerie elle est sympa, ça va. La galerie elle est sympa. Ici ça devient sympa. Poltergeist, buffle, tout la flotte. Qu'est-ce que ça veut dire? Le paysan qui jette ses os. Probablement. Ah, ici c'est chouette, ça devient bien. Quoi. Qu'on soit un trou. La particularité, je ne vais pas vous enseigner, je ne vais pas vous enseigner. Vous allez le casser. Ah oui. Ça fait bien de se barrer. Je commençais à. Au bout, là, je commençais à faire le cœur. Cœur qui lâche, ouais. J'avais envoyé le fond de but sur la forêt noire. Ouais, regarde. Ça devait être l'usine, ça, non? C'était l'usine, ici, non? C'est un ouvrage qui a beaucoup pris, qui a été beaucoup fermé. Ah, il n'y a plus rien, ouais. Tous les moteurs sont partis, ouais. Bah, tu parles, premier truc, tu parles. On reconnaît les socles ici, hein. Allez, net. Là, il ne reste plus rien, ouais. Ils ont tout pris intégralement. Le travail à quoi, là. L'odeur de mort, là. Ah, c'est une salle de mort, ça. Ah, ouais, ça, c'est. Ah, ben, c'est la même chose qu'à l'autre, hein, sont les cuves. Je peux passer par la galerie. Ouais, c'est la même chose qu'à l'autre. Hein. C'est bon. Exactement dans le plan. Et là, t'as la galerie qui est principale, là. Ouais, c'est la même chose. Ah ben voilà, ici les lavabos pour se laver. Et les petites tables ici, voilà. Et voilà, la chambrée du Mottenberg. Bah, je trouve qu'elle est pas mal quand même. Pour une pièce abandonnée. Le réfectoire, je veux dire. C'est tout le poste de commandement, je pense. Ah, le poste de commandement, oui, carrément. Ah, oui, le téléphone et tout. Oui, c'est le poste de l'officier ou je ne sais quoi. C'est pas ce qu'il foutrait là-bas.
Tu poses le commandement, bah, comme il y a l'autre avec la flèche. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Ouverture, c'est souvent des. Et il y a un beau robinet là. Des plans de tournée. Ah là, on est pas mal. Magnifique. Juste envie de monter. Ouais. Regardez les gros champignons qui poussent là, c'est un truc de dingue. Quoi. J'ai rarement vu ça dans un ouvrage. Hein. Ici, un embranchement. Ça, c'est pas des poches, mais c'est plutôt bien refait. C'est pas mal fait, mais c'est pas des poches. C'est pas des poches, mais tu reconnais. Ça mérite pas d'être filmé. Quoi. On a la principale. Bon, alors on va à droite ou à gauche? Tu veux? Bah, c'est à droite. Bon, on a vu les deux côtés. Hein. Ouais, c'est profond. Ça, c'était l'accès au bloc, là, alors. Complètement bouché. Il y a un moteur. Ouais, okay. Qu'est-ce qu'il y a là? Il n'y a rien, là. C'est vraiment de la glaise ici, hein. Ça, c'est du clair, hein. Je ne saurais pas ce qu'il y a en fait. Ouais, bon, bah, c'est l'accès au bloc, hein, à mon avis. Si on est coincé, il faudra creuser. Je crois qu'il y en a qui se sont amusés à y aller, je crois. Oui, ouais, ils sont descendus sur le cul. Ça, c'est style catacombe, ça. Pour monter là-haut, à mon avis, tu vas dire en chien. C'est comme ça. Alors, on a ça dans les catas, hein, ça on a pareil, des trucs comme ça. Ça. Je suis jamais allé, je sais mieux. Il n'y a pas de la terre comme ça, c'est pas c'est de la. Sur Internet, j'ai jamais trouvé de photo d'en haut. C'est de la terre calcaire là-bas. Dans la peinture, on pourrait qu'il y ait des trucs t'as pu coller? J'ai le pied collé. Ah, t'as pu coller, mais tu as compris. Oui, moi aussi. T'as compris ça, tu m'as dit. T'as compris ça. Moi aussi, ça colle. Bon, bah, le bloc ici, on n'ira pas, c'est sûr. Bon, alors là, la visite est rapide. C'est rapide, oui. Voilà. Là, c'est un étage. Avec la flotte, on va vite se limiter. L'égout visitable. Il y a une sortie par ici? Non, c'est vrai? Tu vois la lumière? Ah, non! Tu sais pas sortir. Vas-y Eric, va voir, on t'attend. Bah si on sait pas sortir, je vais pas y aller. Hein. Non mais pour voir si on peut sortir. Ah je sais pas moi, je fais confiance à notre ami. Les diplômes. Il me semble que non. Il semble. Ça veut dire peut-être. Là c'est beau. Je pense pas. C'est pas vraiment comme l'autre. Ouais, c'est là. C'est pas très haut. Ça change de maîtrise, quoi. La maîtrise, c'est malheureux. Oh, que tu as les jambes cassées, là, tu m'en sais où. Ils l'ont fait, ils ont mis des blocs. Ah, il y a moyen, mais j'ai pas très confiance dans cette ferraille. Moi. Ça, c'est con, c'est pas monté. Ça pas bien loin. Crois pas. Hein? C'est étonnant que l'escalier est là. Costaud, mais bon.
Donc là, ça donne sur l'extérieur. Vas-y, rose, ça veut dire quoi? Rose, rose, ça veut dire dehors. Rose, c'est dehors. C'est malin de marquer ça, ils sont déjà roses depuis longtemps. Franchement, mettre ça maintenant. Tiens, elle est là, l'antenne, elle passe là. Elle va dehors par là. À mon avis, ouais, elle va à l'extérieur, sur ouais. les bords du bloc. Ouais. Sortie de secours, ben voilà. Il va avoir piqué tout ça, Eric. Ben oui, oui on n'est pas dans un salon montant, ça c'est sûr. On peut faire bander partout.